Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour une purge de frein avec les différentes étapes. La première étape sera de placer le véhicule sur un pont élévateur. Ensuite, il faudra ouvrir le capot. Il faudra ouvrir le bouchon du bocal du liquide de frein. Il faut prendre le testeur de frein et contrôler le taux d'humidité présent dans le liquide de frein. Plonge la sonde dans le bocal de liquide de frein et on regarde la température du liquide. Une fois le liquide de frein vérifié, le changer si nécessaire, selon les données obtenues. Une fois le liquide contrôlé et changé si besoin, on peut refermer le bocal. Placer le véhicule sur un pont élévateur. Puis lever le véhicule. Localiser la vis de purge. Dévisser la vis de purge à l'aide d'une clé plate de 8 à œillets. Brancher l'aspirateur du liquide au tuyau, puis dévisser de 1/4 de tour. Il faut brancher le purgeur au tuyau d'air. Ensuite, il faut mettre le purgeur en route. Une fois purgé, débranchez le purgeur, puis fermez la vis de purge, redescendre la voiture. Remplir le bocal de frein jusqu'au niveau maximum. Puis, entrer dans le véhicule. Appuyez sur la pédale de frein pour réamorcer le liquide de frein. Répétez cette opération pour les 4 roues.